Yo tout le monde, c'est Félixu, on se retrouve, on se découvre pour l'épisode 10, en compagnie de Oli, hein, hashtag Artemis, pour, ah ben... pour le suicide de Val. Non, ça va. Non. Pour rejoindre notre maître dans les appartements de Zash. Du coup, on va se TP instantané au sanctuaire. Et ouais, on est comme Goku, nous, on se TP instantanément. Je peux pas rentrer. Je peux pas rentrer. Normal, je suis pas encore rentré. Hop là. Là, le voilà. L'apprenti du Seigneur Zash. Il saura certainement. S'il sait, il ne nous dira rien. Warpines Brigan Iswis Buidan. Ça ne coûte rien de demander, non? Kiernon, laissez tomber. Je ne laisserai pas tomber. Tout le monde sait que le Seigneur Zash était à la fête quand Scotia a été tué. Et pourtant, tout le monde sait qu'elle l'a tué. Elle a trouvé un moyen d'être à deux endroits en même temps. Si je laisse tomber, nous allons tous mourir. Arrêtez vos âneries. C'est moi qui ai tué Scotia. Là, c'est toi qui racontes des âneries. Il vaudrait mieux ne pas le sous-estimer, Kiernon. Il m'a clairement l'air dangereux. Mais un seigneur noir des Sith, ce n'est qu'un apprenti Calaverus. Je t'en prie, tu dois me le dire. Comment Zash a-t-elle tué Dark Scotia? Combien de fois devrais-je le répéter? C'est moi qui l'ai tué. Moi! Il est clair qu'il ne vous dira rien, Kiernon. Laissez tomber. Très bien. Mais je vous préviens, Calaverus. Le seigneur Zash devient bien trop puissant, bien trop rapidement. Citez-moi un seul exemple dans toute l'histoire des Sith d'un meurtre commis de manière aussi éhontée par quelqu'un qui semblait se trouver à un autre endroit au même instant. Il y a là de quoi réveiller l'empereur, moi je vous le dis. Bon, va pas réveiller l'empereur pour ça quand même. Ben non. Pas parce que un apprenti a tué un seigneur noir, quoi. Ah merde! Un timing parfait, apprenti. Ah. J'ai pu discuter avec cet insupportable Thanaton et j'ai de bonnes nouvelles. Ah! Tout le monde ne parle que de la façon dont vous avez tué Scotia. Bien qu'ils parlent. Ils ne peuvent rien prouver. Et ça les rendra dingues. Mon rendez-vous s'est déroulé exactement comme prévu. Tu aurais été fier de moi. J'ai été réprimandé, mais me voici désormais officiellement Dark. C'est entièrement mérité. J'ai fait bien plus que tu ne le réalises. Néanmoins, l'important est que nous soyons finalement en mesure d'agir. Tu te souviens de la carte que tu as trouvée sur Korriban et qui nous a mis sur la piste du pouvoir de Tulak Horde? Ouais. Le premier élément de cet artefact, de ce pouvoir, se trouve ici, sur Dromunkas. Cet élément se trouve dans la chambre la plus profonde du Temple Noir. Scotia a toujours jalousement gardé la clé de cette chambre comme un hut garde ses crédits. À présent, j'ai le titre de Scotia, ses appartements, ses recherches et sa clé. Il m'a toujours dit qu'il me faudrait lui passer sur le corps avant de pouvoir pénétrer dans le Temple Noir. Cependant, ce n'est pas moi qui me rendrai dans le Temple Noir, mais toi. C'est toujours à moi de faire votre sale boulot. Avant que j'aille sur Korriban pour me choisir un apprenti, une apparition furieuse s'est éveillée dans le Temple Noir. Implacable dans sa colère, elle a tué tous ceux tentant de s'approcher de la chambre centrale. Mais j'ai fait un rêve. Un apprenti d'humble origine s'inclinait devant l'apparition et l'apaisait. C'est pour ça que toi et tes collègues avez été choisis. Une minute. Vous voulez que je me soumette à cette apparition? Tu dois te rendre dans le temple et affronter l'apparition. Et quand tu le feras, je pense que ton humilité sera la clé. Je tiens cependant à ce que tu saches que je ne suis pas certaine que tu sois celui de mon rêve. Il est possible, je le crains, que je t'envoie à la mort. Mais... vous êtes un Sith. Comportez-vous en conséquence. Tu as raison. Tu as récupéré l'holocron sur Korriban alors que tous les autres avaient échoué. Si ce n'est pas une preuve de ta destinée, je ne vois pas ce qui pourrait l'être. Le pouvoir de Tulak Horde nous attend. Nous ne devons pas perdre de vue l'objectif. Utilise ce glyphe pour pénétrer dans la chambre centrale du Temple Noir. Incline-toi devant l'apparition et ramène-moi l'élément de l'artefact.
Saïk alut saïda. Iswis us ulfundan. Ja atnam. In puidangarja. Et dans ce petit site. T'as vu, il a une belle gueule, hein, franchement. Qui? Le seigneur Zash? Non, je parle de. Ah, notre ami? Ouais. Une parfaite dentition, je dirais. Bon, j'ai pas envie d'y goûter, mais pourquoi pas, ouais. Elle est pas mal. Je jette des trucs qui me servent à rien. Du coup. Au lieu de jeter des trucs, tu pourrais les vendre. Ouais, mais ils se vendent pas. Tu gagnes de l'argent. Du coup. Non, pourquoi je veux faire un voyage rapide? J'ai pas besoin de voyage rapide. I. Non, pas I. M. Là, m'appelle, me dit de sortir. Quoique, attends, je peux peut-être te TP directement. Non, non, on se TP pas. On se TP pas. Monsieur, si vous commencez en plus au à tricher. Au temple noir. Non, mais au temple noir. Attends. Ah oui, peut-être. Au avant-poste gardien. Tu peux? Avant-poste gardien, c'est où? Moi j'ai avant-poste tempête. À gauche, le plus à gauche. C'est quoi ton truc le plus à gauche? C'est le mur. Ok, donc non. Viens là, viens au taxi de la citadelle, service de transport impérial. Alors, le taxi. Donc, on est rentré dans le temple noir. Oh. Cet endroit pue la mort. Mais c'est normal, Kemval. Enfin, si on tuait pas les gens, on serait pas des Sith. C'est pas être méchant. On donne du travail aux gens qui sont déjà qui dirigent l'enfer. Enfin, l'enfer ou le paradis. Donc c'est bien, non? Actuellement, là, on donne du travail aux gens qui ramassent les corps. Pas être méchant. Arrêtez. On donne du travail aux pompes funèbres. Voilà. Il faut monter, hein. Ouais, je me doute. Eh ouais, parce qu'on peut... Faut monter en bas, pardon, désolé. Tout en bas. Et j'ai voulu tenter de monter en bas, mais j'ai pas réussi. Eh ben moi, j'y arrive très bien, tu vois. Moi, j'ai la dernière fois que j'ai essayé, j'ai vraiment failli me casser la gueule. Je suis invisible. Attends, non. Attends, mais... Quoi? Comment ça, c'est pas par là? Ah, c'est par là? Ouais. Comment ça, par là? Là. Ouais, de l'autre côté. Mais préviens aussi, toi. C'est toi qui me préviens pas. Oh, attends, c'est lui qui doit être mon navigateur et il me prévient même pas. Je vous jure. Parfois, je fais comme Google Maps, tu vois. Je t'amène dans des sens interdits. moi quand il me fait ça, je prends les trucs en marche arrière. Au moins, je suis pas en sens interdit. Merde. Allez, on reprend les gens. Ok, ils sont pas dans le même sens. Ouais, ils sont Il fait bobo, hein. Oui. Oui. Je t'attendais. J'ai senti tes déplacements dans la force et ils m'ont extirpé de mon cauchemar. Seigneur Kali. Membre, ancien membre du Conseil Noir. Suffisamment gênant, tu finirais par venir à moi. Les Sith opposent un flot incessant de chair à ce qu'ils ne peuvent comprendre. Et te voilà, sang de mon sang. Te voilà,
Je suis venu en toute humilité me prosterner devant vous, Excellence. Ah, tu ne me connais pas. Ma famille est-elle donc tombée si bas que l'enfant de mes enfants ne connaît pas le nom de Kalig, un nom pourtant si longtemps révéré dans les annales des Sith? Tu es mon descendant. De combien de générations, je n'en sais rien. Mais entends ceci. Ton emprise sur la Force m'a éveillé de ma torpeur. C'est à quel propos? Quand les faibles de cette planète ont profané mon tombeau, je suis revenu à ce qui fut ma vie. Ce temple est devenu mon royaume, et je me suis à nouveau dressé en tant que seigneur des Sith. Mais lorsque tu as saisi le pommeau de ton sabre laser, j'ai su que mon temps était révolu, et que c'était ta force et non la mienne qui restituerait sa gloire à notre famille. Voilà, t'es juste un descendant du seigneur Kalig. Dites-moi l'artefact de tout la corde. Ne me parle pas de cette chose maudite. Son maître m'a assassiné et m'a condamné à reposer dans ses catacombes. In biso se waitai spila presincretai. In pise e wanata atragata injais. Ton maître est mort, créature. Tu sers désormais l'enfant de Kalig. Chère de ma chair, tu devrais enseigner l'obéissance à ton serviteur. Ne nous interromps plus, ou tu n'auras plus rien à te mettre sous la dent avant longtemps. Bien. Ne considère jamais l'obéissance comme acquise. En restaurant la gloire de notre lignée, tu ne devras pas faire la même erreur. La trahison est le jeu éternel des Sith. Tu devras le gagner. Il ne faut pas s'inquiéter pour moi. Méfie-toi de ton maître. Méfie-toi de ton apprenti. Ne te laisse jamais prendre par surprise. Respecte ses règles et rien ne pourra t'arrêter. Mais tu n'es pas venu pour me voir. Tu es venu pour l'artefact que j'ai réussi à arracher à Tulak Horde avant sa mort. Prends l'artefact, mais sois prudent. Je ne sais pas à quoi il sert, mais je sais que la trahison le suit toujours de près. Lorsque la trahison se présentera, j'en ferai mon affaire. Si seulement tout pouvait toujours être aussi simple. Garde l'œil ouvert. Je me languis du jour où notre pouvoir sera restauré. Nous nous reverrons. Intéressant. On va se revoir. Tu es le descendant du seigneur Kalig. Longue à moi. T'as pas trop la pression? Non. Franchement, je n'en attendais pas moins. Et ben voilà. Le seigneur Kalig qui est quand même l'un des, on va dire, des plus importants sites. T'as Tulak Horde. Du coup, il faut se TP jusqu'à l'entrée du sanctuaire Sith. Non. Bah, si tu le dis, peut-être, certainement, je sais pas moi. Je suppose, hein. Si tu le dis. Eh ben non. Je suis parti trop vite. Non ? Paré au départ. Il faut aller où ? Bon séjour. Je suis parti trop vite, c'est ce que je t'ai dit. J'ai pas récupéré l'artefact en fait. Je me suis barré sans récupérer l'artefact. Mettez-moi sur une échelle de boulet. Alors, surtout, tu dois prendre l'artefact, tu vois. Bon d'accord, je me casse. Je veux juste courir, putain. J'arrive pas à courir. Regarde. Regarde comment j'avance vite. Oui, j'ai vu ça. Papy au lit, papy au lit. Racontez-nous une histoire. Merde. Je... Voilà, bon, tu récupères ton truc? Ouais, il faut que je récupère ma ça fait ça. Ah, yes, merci. J'aime le TP de Gigalog. Oui.
C'est des dialogues. Est-ce que c'est ce que je pense? Ah, c'est juste le cron. Ah, merde. Normalement, tu ne reçois pas le casque de tout l'accord. Hein? Il faut faire un appel en Omnicron. Apprenti, as-tu réussi à récupérer l'artefact? Non. Non, j'ai failli. À votre avis? Évidemment. Sublime, magnifique. Dépêche-toi de regagner les appartements de Scotia. Je veux dire, mes appartements. J'ai hâte d'étudier cet artefact et j'ai une surprise pour toi. Quel genre de surprise? Tu vas adorer. Dépêche-toi de revenir avec l'artefact. Je suis impatiente. Ben vous savez quoi, parce qu'on est des sites, on va se laisser ici et on ne reviendra que la semaine prochaine lui donner. On voit la surprise. Voilà, parce que nous on a la surprise et elle, ben, vu qu'elle est impatiente, ben, ça lui apprendra. Voilà. Du coup les gens, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. C'était Felixou. Ciao tout le monde. Ça va faire mal ça.